des aéronefs d'une compagnie privée. Rentre-t-il dans le marché du transport aérien qui bénéficie du développement des services de transport aérien sécurisés de la Commission africaine de l'aviation civile, CAFA, dont l'une des fonctions est d'accroître et de coordonner les synergies dans les domaines de la recherche et des secours de sauvetage et des interventions en cas d'accident ou bien dans un autre pouvoir. Je vous remercie, Monsieur le ministre, pour vos éclairages. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Sénateur. Monsieur le Président, de la parole donnée. Mesdames et Messieurs les Sénateurs, vous remercier sincèrement pour l'appréciation des efforts qui sont consentis par le département ministériel dont j'ai la charge. Efforts qui nous permettent aujourd'hui, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, de dire une certaine satisfaction. Le sénateur Pogmoni est inquiet de l'abandon de certains aérodromes et cet abandon se retrouve même sur l'ensemble des régions, rendant ainsi ces espaces abandonnés à d'autres activités qui n'ont rien à voir avec l'activité de l'aviation civile. Et nous donc avec un certain ralentissement dans le développement de ces aérodromes. Il se pose la question de savoir si la réhabilitation des 10 aérodromes ne serait pas à mettre en place comme un gage de développement économique et social dans notre pays. Sa deuxième préoccupation a trait au crash aérien survenu dans la commune de Bibé, dans le département de la Sanaga, où effectivement tous les passagers entendaient l'équipage constitué de 2 personnes et de 9 autres passagers qui ont tous péri. Nous voulons savoir où est-ce qu'on en est avec cette l'enquête. Ce que je voudrais dire dans un premier temps, c'est que aujourd'hui, notre pays est lancé dans un vaste programme de réhabilitation de ces aéroports. Ce qu'on a pu noter, c'est que depuis la CAN, notre pays s'est engagé dans ce programme. On a noté effectivement une densification des travaux initiés dans les aéroports. Qu'est-ce qui fait donc aujourd'hui que, est-ce que nous pouvons être sûrs que ces travaux initiés depuis la CAN vont s'intensifier? Il me plaît de dire ici qu'à la faveur de la CAN, effectivement, total 2021, les infrastructures aéroportuaires concernées par l'événement ont connu une profonde mue. Ainsi, en plus des toilettes profondes, les aéroports de Yaoundé-Simanen, Douala, Garoua, Bafoussam ont été dotés de nouveaux salons ultramodernes, de bureaux de change, de boutiques, de souvenirs, ainsi que les duty-free shops à Douala et à Yaoundé. Nous avons, pour ce qui est de Yaoundé, aménagé un espace, un salon des diplomates, qui est tenu par le Minaret, sa relation avec l'autorité aéronautique. On ne peut donc pas s'inquiéter qu'il n'y ait pas autant que ces aérodromes soient abandonnés. Si ça a été le cas, je pense que la mesure a été prise depuis ce moment-là. Les travaux de rénovation de l'aéroport de Douala
vont se poursuivre dans le cadre de la phase 2. Le projet de réhabilitation de l'aéroport de Douala, dont les marchés sont en cours. Les efforts de modernisation sont projetés également sur tous les autres aéroports en fonction des disponibilités des ressources financières. L'occurrence d'un léger incident du côté de la rivière ici à Yaoundé a fait douter certains, mais je peux vous dire que la situation immédiatement identifiée a été maîtrisée. Face à tout ça, est-ce qu'il y a que Douala et Yaoundé? Je vous dirais non. Il n'y a pas que Douala et Yaoundé. Il y a un programme qui est envisagé de construction d'infrastructures aéroportuaires dans toutes les régions de notre pays. À ce jour, notre pays dispose d'un très grand nombre d'aéroports, dont 13 publics, avec 4 aéroports internationaux, à savoir Douala, Yaoundé, Simalène, Garoua et Barwa, et 9 aéroports nationaux, dont Bamenda, Manfé, Bafoussam, Gaoundéré, Bertois, Batouri, Kribi, Tsiko et Koutaba. Parmi ces aéroports nationaux, il n'y a que les aéroports de Bafoussam et de Gaoundéré qui accueillent un trafic régulier domestique. Les autres aéroports ont besoin, comme vous l'avez souligné très bien, de rénovation pour être mis aux normes de sécurité et de sûreté en matière d'aviation civile. Le Cameroun dispose d'un grand nombre d'infrastructures aéroportuaires qui permettent de desservir les 10 régions par voie aérienne. Cependant, les efforts doivent être consentis pour remettre en service, c'est le cas d'ailleurs, l'aéroport de Kribi, dont les travaux de mise aux normes sont en cours. J'évoquais à la Commission que les travaux de réhabilitation de l'aéroport d'aérodrome de Bertois sont également engagés. Comme vous pouvez le constater, monsieur le sénateur, à l'exemple de Akonoli, Champ, Yago, on a pu noter ici et là des abandons d'aéroports jadis existants. Ceci est dû certainement à l'indiscipline, à l'incivisme, par l'occupation illégale. Et c'est un peu notre cheval de bataille en ce moment. Pratiquement tous nos aéroports sont pris d'assaut. Nous appelons pour cela à la responsabilité de l'ensemble des populations pour respecter les unités des aérodromes. Les réhabilitations sont en cours, je l'ai dit tout à l'heure, pour Kribi, Bertois, Bafoussam qui est achevé. Marwa, Gaoundéré, Garoua, Yaoundé, Douala qui sont opérationnels. Avec donc le redressement de ce que nous pouvons considérer aujourd'hui comme des travaux initiés, nous sommes en droit d'imaginer que une partie des aéroports qui n'ont pas eu les aérodromes qui n'ont pas été pris en compte vont voir également leurs travaux, les travaux lancés